Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Dataswap. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment dissimuler un texte ou un fichier à l'intérieur d'une image. C'est l'art de la dissimulation. Donc, c'est un art qui va nous permettre, son objectif est de faire passer inaperçu un message dans un autre message. Donc aujourd'hui, on va passer à un texte à l'intérieur d'une image. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, par exemple, vous pouvez comme envoyer une personne à votre numéro de compte à l'intérieur de l'image. La personne va décrypter l'image et elle va récupérer votre compte bancaire. Donc c'est le même principe vous recevez des fois des courriels suspects, des courriels où on vous demande de cliquer sur une image ou un fichier pour ouvrir un texte, un contrat, quelque chose. Donc à l'intérieur de l'image ou d'un texte, on insère un code. Le code, une fois que vous ouvrez l'image, s'installe automatiquement. Donc il s'active en ouvrant l'image, il s'active et s'installe sur votre ordinateur. Donc, vous voyez, c'est le principe, c'est le même principe. Donc là, on parle juste d'un texte. Une image peut aussi inclure un programme. Donc faites attention, lorsque vous recevez des courriels d'une personne que vous ne connaissez pas, on vous demande de cliquer sur une image, un texte, ou sur un lien qui va vous envoyer sur un site fictif, qui peut être un site d'un de vos services, et on va collecter vos informations. Donc avec... ça va jamais s'arrêter. Il y en a toujours. Moi perso, je reçois toujours ça. Il y a même ce qui est vraiment inquiétant, c'est le vol des mots de passe. Il faut pas croire que une fois on s'enregistre sur un site que on est secure ou le site est secure à 100%. Donc il y a plusieurs plateformes que les mots de passe ont été volés. Je crois, je suis sûr, il y a des personnes parmi vous, ils ont reçu des courriels avec leur mot de passe. On lui dit comme quoi on a votre mot de passe, on a le site sur lequel vous naviguez. Si vous ne donnez pas l'argent, on va divulguer ça à vos contacts. Donc, si mon conseil perso, lorsque vous connectez sur un site web qui n'est pas un site de service, qui n'a pas un site financier, essayez d'utiliser premièrement une adresse courriel, pas la vôtre que vous utilisez chaque jour, mais une adresse courriel dédiée au site un petit peu non sécur, et vous créez un autre mot de passe qui n'est pas toujours votre mot de passe. En général, on conseille de ne pas garder toujours le même mot de passe. Donc, si vous avez un risque, vous avez peur d'oublier votre mot de passe, gardez votre mot de passe pour les sites que vous croyez qui sont sécurs à 100% et les autres sites pour télé, streaming, logiciel, mettez-y une autre adresse courriel avec un autre mot de passe. Donc, faites attention. Donc aujourd'hui, on va télécharger ce logiciel. Donc il faut y aller en bas, saisir un petit texte. Et si moi j'ai saisi une adresse n'importe, et ici valider pour télécharger. Une fois c'est fait, vous installez le logiciel et vous aurez cette interface. Première chose, c'est de télécharger l'image. Moi, c'est mon image. Vous voyez ici, c'est la taille d'image. Et ici, c'est la taille max fichier à cacher. Donc, lorsque je parle de fichier, c'est un fichier ou un texte. Fichier à crypter. Donc, c'est là. Donc, soit je télécharge un fichier ou je tape un texte. Moi, j'ai tapé un texte ici. Il est conseillé d'avoir un mot de passe. Donc, saisissez un mot de passe pour protéger une couche supplémentaire de protection. On saisit le mot de passe et vous avez le choix de votre format. On sélectionne une et on clique sur fabriquer l'image. On clique. Voilà. Vous voyez que j'ai
mon image qui contient le texte, c'est elle, message. Essayez de modifier le nom par la suite parce que par défaut, c'est message. Si par exemple, je veux décrypter l'image, on clique, vous voyez, c'est bonjour. Donc l'autre personne va avoir le même principe, il va recevoir le message et par la suite, la personne saisit le mot de passe et décrypte l'image. Voilà, je ne sais pas, vous pouvez comme l'utiliser, je partage l'information au cas où, mais vous pouvez l'utiliser si vous prévoyez envoyer un, je ne sais pas, quelque chose de secret à une autre personne, ou un texte secret, sinon au travail, si vous voulez comme passer des messages entre vous, allez-y avec cette technique, il n'y a personne qui va voir qu'est-ce que vous avez écrit. Ben, voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.